Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi comme tous les jours dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous voulons que tu fasses tout en nous. Nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs et nous te demandons eh bien, d'agir en chacun de nous jusqu'à nos derniers souffles. On te remet vraiment les commandes de nos vies, Seigneur. Que tout, absolument tout, soit fait par toi, Jésus. Tu agis et nous, on t'accompagne. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit-Saint. Vraiment que nos vies puissent être des offrandes éternelles pour ta gloire et que chacun de nos mouvements externes et internes puisse t'amener de la joie. Chacun de nos battements de cils, nos battements de cœur, nos respirations, que tout puisse vraiment être comme une déclaration d'amour pour toi au nom de tous. Et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent divins et éternels, faits par toi, Jésus, toi en nous. Aussi, nous te demandons cette grâce, eh bien, que tu viennes avec ta maman purifier nos cœurs. Viens, viens y retirer tout ce qu'il y a de mauvais, ce qui résulte de nos volontés propres. Tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, eh bien, retire tout, Seigneur. Il faut un espace pour que ta divine volonté puisse être souveraine. Aussi, recrée cet espace en nous. Pour que ta divine volonté s'y sente bien, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous voulons à chacun de nos battements de cœur t'offrir des milliards et des milliards et des milliards de « je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends grâce, je te rends gloire, Seigneur, et que vienne s'établir sur la terre ton royaume. » Vraiment, nous te prions avec ta volonté à toi, vraiment pour que cela puisse t'être offert comme si toute l'humanité entière, eh bien, te faisait cette déclaration d'amour. Nous voulons également, eh bien, t'offrir tout cet amour à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements. Et Seigneur, nous voulons que tu viennes continuer ta vie en nous. Marque-nous du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton amour. Que nous puissions être de bons instruments entre tes mains. Que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. Et te plaire, Seigneur, devenir ces petites sources de joie pour toi. Jésus, nous voulons être comme d'autres mères pour toi. Nous voulons te consoler continuellement, te prendre dans les bras, t'abreuver, te nourrir. Nous voulons que tu puisses trouver du repos dans nos cœurs, que tu puisses y déposer tes peines, tes amertumes. Nous voulons que tu puisses trouver du soutien dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi des tabernacles vivants, pour ta divine volonté, des tabernacles de consolation et d'amour pour toi. Alors vraiment, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous ce don de l'inséparabilité avec toi. Que rien ni personne ne nous sépare de toi, Seigneur. Vraiment qu'il y ait ces chaînes d'amour entre nous. Et garde-nous enfermés en toi, Seigneur. Si tu nous vois un peu distraits, si tu nous vois eh bien, sur le point de te quitter, Seigneur, de quitter tes bras, eh bien, viens. Et vraiment, envoie-nous ces flèches d'amour pour que nous puissions que nous puissions vraiment brûler, être consumés et revenir à toi, Seigneur, nous repentir et nous replonger dans ton cœur. Je te demande maintenant, Jésus, de disposer nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions comprendre et accueillir eh bien, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous puissions accueillir ces mots bénis qui sont les tiens, avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Tu l'as promis à Louisa que toutes les âmes eh bien, qui se plongeraient avec vraiment de bonnes intentions, qui se plongeraient dans les écrits du ciel, eh bien, tu leur donnerais ton cœur et tu les envelopperais de ta lumière pour que vraiment elles puissent s'abreuver de ces vies divines et que cela puisse les transformer en profondeur. Alors Seigneur, nous sommes là et vraiment nous voulons t'aimer mieux, t'aimer plus, nous voulons te servir. Alors, occupe-toi vraiment eh bien de ce moment que nous allons vivre avec toi pour que rien ne se perde et que nous puissions vraiment eh bien, mettre en pratique
ce dont tu nous parles dans chacun de ces enseignements que tu nous donnes, Seigneur. Que nous puissions vraiment être comme poussés à t'appeler dans toutes nos actions. Voilà, pour que tout soit magnifique, que chacun de nos actes puisse être comme un soleil divin et radiant les cœurs partout. Que ta lumière puisse recouvrir la laideur du péché, puisse recouvrir les ténèbres, puisse mettre en fuite les démons. Et que vraiment, petit à petit, ton royaume, ce royaume d'amour, s'installe ici-bas. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme une rosée. Vous voyez, une rosée, est-ce que ça apporte comme bienfait? Eh bien, une rosée bénéfique dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 20 janvier 1930. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la divine volonté et j'arrivais au point où fut créée la reine du ciel. Voilà, elle fait sa ronde dans l'œuvre de la rédemption, donc elle vient au moment où a été créée Maman Marie. Et quand la divinité déposa les vêtements de justice, et comme si elle revêtait des habits de fête, voilà, au moment où Maman Marie a été créée, eh bien, la Trinité a vraiment déposé ses vêtements de justice pour revêtir des vêtements de joie, des vêtements de fête, en fait. Elle renouvelait l'acte solennel de la création, appelait à la vie la créature qui, en vivant dans la divine volonté, seul dessein pour lequel Dieu avait créé l'homme, ne sortirait pas de la maison de son père. Voilà. Donc elle renouvelait, dans la création de Maman Marie, cet acte solennel de la création. Au moment où Adam est sorti des mains de Dieu et que toutes ces joies pour la Trinité, vraiment cet amour fou ad intra qui a pu se déverser ad extra en l'homme. Vraiment cette réciprocité d'amour avec l'homme, étant comme dans la maison de Dieu, dans la demeure divine, étant dans ce parfait flux et reflux, dans cette harmonie avec le ciel, l'homme heureux, l'homme debout, l'homme revêtu du vêtement de lumière. Bien sûr, quand il a quitté la divine volonté, l'homme a tout perdu, il a perdu le royaume de la divine volonté, il a commencé à se sentir mal, etc. Tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Et donc, lors de la création de Maman Marie, la Trinité a ressenti cette joie, cette joie ressentie au moment de la création. Une créature toute belle, régie complètement par la divine volonté, toute belle, toute pure, toute sainte. Donc, la Trinité renouvelait l'acte solennel de la création, appelait à la vie la créature qui, en vivant dans la divine volonté, seul dessein pour lequel Dieu avait créé l'homme, ne sortirait pas de la maison de son Père, car seule notre volonté nous place à l'extérieur, seule notre volonté humaine nous place à l'extérieur de Dieu, de sa demeure, de ses biens, de sa lumière et de sa sainteté. C'est important de comprendre ça, que seule notre volonté humaine, nous pousse loin de Dieu. C'est nous-mêmes qui décidons de quitter les bras de Dieu, de quitter sa demeure, d'aller nous mettre dans les ténèbres, dans les noirceurs. Et quand on n'est plus dans la demeure de Dieu, on est aux prises des attaques du démon. Le démon s'en donne à cœur joie, Satan, etc. Il y a des embûches dans tous les sens. Quand on est dans la demeure de Dieu, dans sa divine volonté, on est dans les bras de Jésus, on est unis, on est identifié à Jésus, notre volonté est totalement fusionnée dans la sienne, les démons ne peuvent plus nous attaquer. On est dans cette enceinte de lumière et à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, cette enceinte, c'est comme si cette muraille de lumière s'élevait encore davantage, encore, encore, encore. Et à chaque fois, on ferme des portes dans notre cœur qui nous auraient permis de retourner dans nos volontés propres. Et on ouvre des portes dans notre cœur pour accueillir les grâces, les bénédictions, la lumière divine. À chaque fois, il y a quelque chose de mauvais de notre cœur qui est arraché. Mauvais comportements, mauvais vices, des tendances, des mauvaises passions. Et à la place, Jésus place sa lumière.
Il y place sa splendeur, des choses du ciel. À chaque fois, eh bien, il y a une nouvelle création dans notre âme. Il prononce son fiat créateur sur notre âme. Prenons son fiat et il y a eh bien, de nouveaux cieux, de nouvelles étoiles, de nouveaux soleils. Donc, vraiment, il est en train de recréer un vrai paradis dans notre âme. Voilà. Donc, c'est vraiment quand on agit dans nos volontés propres que l'on quitte la demeure divine. C'est pour cela que Jésus a dit de nombreuses fois à Louisa, eh bien, l'âme vivant dans la divine volonté nous redonne de la joie. En fait, cette âme vient, elle revient à notre table céleste, elle rentre dans le sacrarium divin, elle participe à toutes les choses du ciel, elle se coule partout où la divine volonté est à l'œuvre, est opérante. C'est tellement, tellement magnifique. Voilà. En créant la Sainte Vierge, Dieu reprenait les fêtes de la création. Voilà, lors de la création de la Sainte Vierge, la Trinité a ressenti une telle joie, cette joie ressentie au moment de la création. Dieu reprenait les fêtes de la création, ses doux sourires, ses saintes conversations avec les créatures, et il débordait de tant d'amour qu'il la fit immédiatement reine de tout l'univers. Voilà. Dès la création de la Vierge Marie, donc elle a eu cette petite mise à l'épreuve, comme on l'a vu dans ce mois de mai, donc dans ce livre « Marie, reine du royaume de la divine volonté », eh bien elle a expliqué qu'elle avait eu cette petite mise à l'épreuve dès le départ, où vraiment Dieu lui a demandé d'offrir sa volonté, et tout de suite, elle l'a offerte. Elle est venue la déposer au pied du trône de l'Éternel, elle est venue l'enchaîner là, et elle n'en a plus jamais fait usage. Et donc, parce qu'elle laissait complètement la divine volonté à l'œuvre en elle, mais tout de suite, elle a été instituée reine de tout l'univers. Voilà. Dieu débordait de tant d'amour qu'il la fit immédiatement la reine de tout l'univers, commandant à tous et à toutes choses de l'honorer comme telle et prosternée à ses pieds, vénérable, de la reconnaître comme reine et de chanter ses louanges dès le départ. Voilà. Joie pour la Trinité en créant la Vierge Marie et directement après voilà sa victoire dans cette épreuve. Adam, il n'a pas réussi cette épreuve, il a chuté. Et Marie, qui avait dès le départ la divine science, divine connaissance, eh bien, elle avait tout. Et donc, elle a directement remis sa volonté. Mais tout de suite, dès l'instant 1 de sa conception, elle a remis sa volonté propre. Et alors, elle a été instituée reine du ciel et de la terre. Elle a reçu vraiment le sceptre de commandement sur tout. Aussi, à ma façon habituelle, donc c'est Louisa qui parle, je chantais les louanges de ma mère reine, la saluant au nom de tous, reine du ciel et de la terre. Voilà, on peut réparer au nom de tous ceux qui n'aiment pas Maman Marie, tous ceux qui ne la reconnaissent pas, tous ceux qui ne vont pas se blottir dans ses bras, tous ceux qui blasphèment, qui la critiquent, etc., qui blessent son cœur, on peut réparer en nous prosternant à ses pieds, en disant « Mais maman, mais nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, tu es vraiment notre maman chérie, nous te recouvrons de l'amour de Jésus, de ses bénédictions, de ses caresses, de l'amour du Père, de l'Esprit-Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, refait, eh bien, dans la divine volonté, on veut vraiment t'honorer, maman, on veut te chanter, vraiment, te chanter des chants de louange. » Bien sûr, nous nous unissons de louanges à celle même de Jésus et nous te donnons eh bien, tous ces témoignages d'amour au nom de tous les hommes de tous les temps. Quand on le fait dans la divine volonté, c'est comme si notre bouche était le haut-parleur de toutes les générations. Donc c'est comme si toute l'humanité eh bien, se prosternait aux pieds de Marie et donc cela lui amène vraiment de la réparation face à tant de méchanceté, iniquité envers Jésus, envers elle, etc. Tout ce qui lui arrache des larmes de sang, eh bien, nous compensons, nous réparons. Et en plus, ce que nous faisons dans la divine volonté, eh bien, se multiplie continuellement, en fait, est infini. Donc, elle entend continuellement nos « je t'aime », nos louanges, nos bénédictions, et de manière parfaite, puisqu'on offre les « je t'aime » de Jésus, on offre les louanges de Jésus, les bénédictions de Jésus, etc. Et donc, cela vraiment envahit la terre, envahit le ciel. Et donc, dès que Maman Marie eh bien, est triste pour quelque chose, des enfants qui vraiment se perdent, qui renient Jésus, etc., eh bien, elle entend en parallèle des paroles d'amour qui viennent quelque part apaiser, soigner son cœur blessé et bien sûr soigner le cœur de Jésus. Et donc, cela lui amène à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, à chaque louange que l'on fait pour Maman Marie, pour Jésus, eh bien, cela amène
une gloire nouvelle pour Marie, pour Jésus, pour l'Esprit Saint, pour le Père. Voilà une gloire nouvelle, bien sûr aussi pour tous les saints, les bienheureux qui vont recevoir une gloire accidentelle. Donc il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel quand simplement on dit voilà Marie, je t'aime dans la divine volonté. Avec les je t'aime de Jésus, et c'est parti. C'est comme si tous les hommes venaient, voilà, venaient serrer Marie dans leurs bras et l'embrasser, et la reconnaître, et la cajoler et se blottir et bien dans son manteau céleste, sous son manteau céleste. Donc je chantais les louanges de ma mère reine, la saluant au nom de tous, reine du ciel et de la terre, reine des cœurs et céleste impératrice qui règne sur toutes choses, même sur son créateur. Voilà, comme Jésus l'avait dit, ben l'âme qui vit complètement dans la divine volonté, elle règne sur tout, tout lui appartient, elle règne même sur son créateur. Donc vraiment, elle vient même vaincre son créateur quelque part parce que la Trinité est totalement désarmée. Quand une âme totalement immergée dans la divine volonté prie, eh bien, la Trinité entend des prières divines, donc ne peut rien refuser à cette âme. Je vous en prie, disais-je, donc c'est Louisa qui parle, régnez sur tous avec votre universel empire pour que la volonté humaine puisse rendre ses droits à la divine volonté. Régnez sur tous. Voilà, Marie, reine du royaume de la divine volonté, et bien Louisa, elle demande à Marie de régner sur tous les cœurs et que les âmes puissent vraiment être travaillées par les mains immaculées de Marie et être disposées à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Que toutes les âmes que toutes les âmes puissent rendre ses droits à la divine volonté. Voilà, que la divine volonté puisse être reine en fait dans tous les cœurs. Régner sur notre Dieu pour que le divin fiat puisse descendre dans les cœurs et régner sur la terre comme il règne au ciel. Voilà, voilà que la divine volonté puisse régner sur la terre, que ce royaume si saint puisse s'établir ici-bas comme il est établi parfaitement dans le ciel. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi pour chanter avec moi les louanges de la céleste maman du ciel. Voilà, Jésus nous l'a dit tellement de fois. Vous vous rappelez qu'on prenait tous ces petits moments avec Marie, ces petits moments d'amour. Eh bien, Jésus expliquait aux saints que toutes les fois où on honore sa maman, eh bien, en fait, il ressent une gloire énorme, comme si c'était lui qu'on glorifiait en fait. Toutes les fois où on apporte de l'amour à sa maman, où on prie, voilà, le chapelet, le rosaire, eh bien, cela lui fait immensément plaisir. Donc là, on voit qu'il se joint aux prières de Louisa pour aller louer sa maman, pour aller vraiment la glorifier complètement. Et en plus, quand on le fait dans la divine volonté, ben, il y a cette portée universelle, voilà, comme si tous les hommes, en fait, comme si tous les hommes aimaient, louaient, bénissaient et remerciaient la Vierge Marie. Donc c'est vraiment, c'est tellement bon. Donc on apaise la justice divine, parce que quand Marie pleure, quand elle apparaît enchaînée, etc., mais Jésus souffre aussi. Cela appelle des châtiments, quand Marie souffre, quand Jésus eh bien, se voit transpercé continuellement par nos offenses, par nos iniquités, etc. Eh bien, cela appelle la justice divine. Mais quand on répare, qu'on donne de l'amour dans la divine volonté au nom de tous, cela apaise la justice divine et cela rétablit vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre. En me serrant contre lui, il me dit, Jésus parle à Louisa, ma fille, que la vie dans ma divine volonté est belle. Que la vie dans ma divine volonté est belle. Voilà. Jésus disait bien à Louisa, ce que tu es en train de vivre sont les plus belles pages de ta vie. C'est la plus belle époque, en fait. Ce moment où, voilà, nous sommes les ouvriers de la dernière heure, on reçoit ces écrits du ciel, on peut s'en abreuver autant de fois qu'on le souhaite, jusqu'à notre dernier souffle, on peut lire. Chaque fois qu'on lit, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Jésus prenait vraiment cet exemple il y a quelques jours, et bien notre cœur comme du fer noir, du fer sombre, et à chaque fois qu'on reçoit une vérité, une vie divine, et bien c'est comme si on martelait notre cœur, et à force de le marteler, il y a des étincelles de lumière qui surgissent. Et vraiment notre cœur va devenir un feu brûlant parce qu'on va être appelé à s'unir à Jésus, à ne désirer que cela, cette vie dans la divine volonté. Donc c'est vraiment un temps béni où alors qu'on est plein de misère, Jésus veut nous rendre saints de cette sainteté divine qu'il nous promet. Pas une sainteté humaine que l'on doit acquérir par nos propres forces, par l'exercice de vertu, mais cette sainteté toute donnée en fait. On dit Jésus oui, je veux vivre dans ta divine volonté et directement Jésus le dit, le tour est joué. Ça veut dire que vous me le demandez avec constance et persévérance, parce que je peux dire oui et puis après voilà, penser à autre chose. Mais si c'est quelque chose que l'on veut vraiment,
On le demande à Jésus et Jésus va s'occuper de notre âme et va venir s'y installer avec son Père, l'Esprit Saint, avec son trône, son royaume, ses actes divins, ses œuvres divines, avec tout. Nous allons participer à ses attributs divins. Il va nous rendre semblables à lui. Il va nous faire grandir dans cette ressemblance que l'homme a perdue depuis la chute d'Adam. Voilà, au départ, l'homme a l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, nous l'avons toujours. La ressemblance qui se manifeste dans l'agir, eh bien, nous l'avons perdue quand nous avons quitté la divine volonté. Et Jésus nous propose aujourd'hui de nous redonner ce don. Il ne l'a pas proposé lors de son passage sur la terre parce que ses apôtres n'étaient pas prêts. Ils étaient comme débutants dans les choses spirituelles. Ils n'auraient rien compris. Et donc Jésus dit, il n'y a aucun orgueil à dire que maintenant vous puissiez faire des actes en union avec moi, ces actes sublimes, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis, faits dans une volonté humaine. C'est normal puisque c'est un acte fait par Jésus. Donc je baille dans ta divine volonté, ça vaut plus que tous les martyrs, tous les jeûnes, tous les sacrifices, tous les rosaires, tout. Donc, mais il n'y a aucun orgueil à tirer parce que ce n'était juste pas le moment avant. Jésus devait amener les remèdes pour remettre l'humanité debout. Il devait amener eh bien, tous les fruits de la rédemption. Il devait, par son sang, ses plaies, etc., permettre à l'humanité, par les sacrements qu'il a laissés, permettre à l'humanité eh bien, de se guérir, se remettre un petit peu debout pour accueillir aujourd'hui ce don de la vie dans la divine volonté. Donc on a vraiment tellement de chance. On a tellement de chance, en fait, de pouvoir, d'être juste dans la bonne époque où on reçoit, eh bien, on reçoit sans rien faire. On ne doit rien faire du tout, on laisse Jésus agir en nous et lui, il nous purifie et nous rend saints, en fait. C'est juste tellement, tellement beau. En plus, il le dit bien, tout ce que vous allez faire en union avec moi, ça va sauver des milliers d'âmes. Et quand vous arriverez là-haut, je vous donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées. On n'a rien fait, on a juste appelé Jésus dans notre action. Jésus, eh bien, je passe mon respirateur dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier. Vous voyez, quelques secondes avant de faire l'acte, on invite Jésus. Des milliers d'âmes sont sauvées dans le passé, des âmes qui se convertissent, qui se sanctifient, qui se purifient dans le futur, autour de nous, etc. Et à notre mort, Jésus va nous montrer tous les soleils qu'on aura fait, ces soleils éclatants, toutes les fois on se sera unis à lui et toutes les âmes sauvées, il va nous en donner les mérites. Et il a dit, pas de purgatoire pour ces âmes. Pourquoi? Parce qu'elles se seront unies à moi tout au long de leur vie. Et donc, il n'y a aucune raison que je les tienne éloignées de moi. Donc, elles seront les plus beaux joyaux de mon trône. Je les tiendrai unies à moi dans ma gloire. Donc, vous imaginez la chance que l'on a. Je crois qu'on peut vraiment être reconnaissant. Et voilà, on a ce trésor entre les mains. Ne le lâchons pas. Et vraiment... On n'a pas grand-chose à faire si ce n'est donner notre oui le matin avec nos actes préalables et puis tout au long de la journée, oui, 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 Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et en plus, à chaque acte, le royaume de la divine volonté descend un peu plus sur la terre et notre cœur se transforme pour accueillir plus de l'amour de Dieu. Ma fille, que la vie dans ma divine volonté est belle. Elle maintient présent tout ce qui a été fait par Dieu. Elle maintient présent toutes les œuvres de Dieu, tout ce qui a été fait par Dieu. Et la créature trouve tout ce que le Créateur a fait et elle participe à ses œuvres. La créature, en vivant dans la divine volonté, va participer à toutes les œuvres de Dieu. Dans la divine volonté, c'est comme une machine à remonter le temps. On peut aller partout, on peut aller au moment de la création, on participe, on est avec le Père qui prononce ses fiat, on est avec Jésus au moment de la rédemption, dans tous les moments de sa vie, tout ce qu'il a fait, toutes les guérisons, on participe. On peut être avec le Saint-Esprit dans tous les sacrements. On peut tenir compagnie à Jésus dans le Saint-Sacrement, l'embrasser, le louer, le bénir, être avec lui dans les mains de chaque prêtre qui le consacre pour le recouvrir et bien de sa propre pureté, de ses harmonies, de sa beauté. On participe aux œuvres de Dieu. La créature trouve tout ce que le Créateur a fait, participe à ses œuvres et peut rendre à son Créateur les honneurs, l'amour, la gloire de cet acte. Voilà, je me plonge dans ta divine volonté, Seigneur, et je vais faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Je veux être avec toi au moment de ton baptême, etc. Je veux vraiment placer dans chaque goutte du Jourdain, mais je t'aime pour toi sur chacune des lèvres. Je veux te demander partout que s'établisse ton royaume. Tout ce que l'on va faire dans la divine volonté amène cette gloire parfaite à la Trinité, au nom de tous. On peut dire que l'âme qui vit dans la divine volonté nous place dans la condition de renouveler nos plus belles œuvres. Voilà.
C'est comme si les œuvres de Dieu se renouvelaient continuellement. Bah, c'est toujours un acte de se donner de toute façon. Mais voilà, en fait, on actualise, par exemple, si on fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, on se plonge dans la divine volonté et on actualise, eh bien, par exemple, toute la passion du Christ. Quand on médite les 24 heures de la passion, c'est ce qu'on fait. On actualise, par exemple, le couronnement d'épines de Jésus, on a avec lui. On est là, en fait, on est près de lui. Et on lui amène du soulagement, on retire sa couronne d'épines, on lui met une couronne de fleurs, une couronne d'amour sur la tête, on se prosterne à ses pieds, on fait une petite muraille devant Jésus pour empêcher bien les soldats de l'humilier, de lui cracher dessus, on vient lui remettre bien ses cheveux, etc. Donc on actualise eh bien, ce que l'on veut, par exemple, dans l'œuvre de la rédemption, pour apporter de l'amour à Jésus et pour lui demander à chaque instant que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. On peut dire que l'âme qui vit dans la divine volonté nous place dans la condition de renouveler nos plus belles œuvres et elle se fait la répétitrice de nos fêtes. La création de la Vierge dit ce que signifie notre divine volonté et ce qu'elle peut faire. Dès qu'elle eut pris possession de son cœur virginal, sans attendre une seule minute, nous l'avons immédiatement faite reine. Voilà comme Jésus l'a dit précédemment. Voilà, la divine volonté, pleinement souveraine en la Vierge Marie, et bien directement la Trinité a institué la Vierge Marie reine. C'était notre volonté de la couronner, car il n'était pas convenable qu'une créature possédant notre volonté ne porte pas la couronne de reine et le sceptre de commandement. Voilà, et quand Marie nous dit, ben moi je suis reine du royaume de la divine volonté, mais je suis seule dans mon royaume, et je voudrais qu'il y ait une cohorte d'autres petites reines. En fait, quand on vit complètement dans la divine volonté, on devient comme d'autres petites reines, en fait. Marie veut tout nous partager, elle veut que l'on connaisse eh bien les bonheurs du ciel, les joies célestes, mais déjà ici-bas, la vie des bienheureux, déjà ici-bas. Donc elle voudrait qu'il y ait vraiment eh bien, cette petite corde, voilà, c'est le terme qu'elle utilisait, de reine autour d'elle, en fait. Voilà. Il n'était pas convenable qu'une créature possédant notre volonté ne porte pas la couronne de reine et le sceptre de commandement. Notre divine volonté ne veut rien refuser. Elle veut tout donner à celle qui la laisse former son royaume dans son âme. Voilà, la Trinité ne peut rien refuser, ne veut rien refuser à l'âme qui est totalement abandonnée et qui a laissé eh bien, la divine volonté reine en elle, en fait. Voilà, quand on dit « Jésus, je ne veux plus agir seul, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, que ta divine volonté eh bien, prenne vraiment toute la place dans mon cœur, je ne veux plus que ta divine volonté soit écrasée dans mon cœur, je ne veux plus que ta divine volonté asphyxie, je ne veux plus que toi tu sois agonisant dans mon âme, que tu te sentes mal, je veux que voilà, ta divine volonté se déploie et que vraiment à travers chacun de mes mouvements, regards, paroles, eh bien, il y ait de la lumière, ta lumière eh bien, qui rejaillisse de ma personne dans tous les cœurs. » Notre divine volonté ne veut rien refuser, ne peut rien refuser. Elle veut tout donner à l'âme vivant dans la divine volonté. On le sait, bah, l'âme qui vit dans la divine volonté est propriétaire de tout. Voilà, Jésus l'a dit, et il l'a dit souvent à Louisa, « Sers-toi, tout t'appartient, tout est là pour toi. Plonge-toi dans cette mer où il y a tout et tu peux te servir. Tu ne dois plus demander des petites grâces. Tu prends mon pardon sur la croix, tu vas le placer dans les cœurs, tu prends mon sang, tu vas nettoyer les cœurs, tu prends mes larmes et tu vas purifier eh bien, des larmes qui en ont besoin. Voilà, tu prends mes paroles d'amour que tu vas greffer dans les âmes, tu prends la lumière de ma transfiguration, de ma divinité et tu vas en recouvrir eh bien, la terre, tu vas en recouvrir l'univers. Voilà, prends, tout est pour toi. Tout est pour toi, tu es propriétaire de tout. » D'ailleurs, Jésus l'a dit à Louisa, quand tu fais tes rondes dans l'œuvre de la création, par exemple, en fait, c'est comme si tu parcourais tes appartements, puisque tout appartient, et bien, quelque part, voilà, tu viens placer tes « je t'aime » sur les petites fleurs, dans le vent, dans la mer, sur les insectes, les poissons, les animaux, etc. En fait, tout appartient. Tout est à toi. Dans la divine volonté, il y a tout. L'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, il y a toutes les qualités divines de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, son sang, ses larmes, il y a tout. C'est pour cela que ça fait tellement de bien de se plonger dans cette mer de lumière. On se gorge de divin quand on rentre dedans. Donc on peut s'y plonger. Toutes les fois on fait des actes en union avec Jésus, en fait, on s'y plonge. On remet en mouvement cette mer de lumière qui va rejaillir dans tous les cœurs. Mais on peut aussi plonger tous ceux que nous voulons, l'humanité entière, nous la plongeons dans ta divine volonté, Seigneur. Et quand
Quand par exemple à la baisse, eh bien, nous sommes invités à faire la paix du Christ, à partager la paix du Christ, eh bien, on peut dire, voilà Seigneur, je place ta paix avec ta volonté dans tous les cœurs et je place également tout ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà, je déverse ton cœur dans le cœur de toutes ces âmes ici à l'église, mais de manière générale, de toutes les âmes passées, présentes et futures. Et je place dans chaque cœur une petite semence de ta divine volonté. Voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et que ces âmes puissent revenir à toi et accueillir ce grand don d'être vraiment dans cette union sanctifiante avec toi. Voilà, notre divine volonté veut tout donner à celle qui la laisse former son royaume dans son âme. Et tu dois savoir que tout comme tu trouves présente dans le divin fiat la création de la dame souveraine et que tu chantes ses louanges comme reine, elle t'a toi aussi trouvé présente dans le divin fiat et a entendu ton chant. Voilà, donc. Et Jésus dit à Louisa, toi, tu te plonges dans la divine volonté, tu trouves tout présent, en fait, il y a tout, donc il y a la création de Maman Marie, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, tous les actes accomplis dans la divine volonté. Donc Jésus dit aussi que Maman Marie, puisque c'est vraiment un acte unique et éternel, tout se trouve dedans. Maman Marie, elle a vu aussi Louisa vivant dans la divine volonté. Et elle a chanté les louanges de Louisa, qui formait le royaume avec Jésus, le royaume du divin fiat, qui acceptait cette crucifixion, cette mortification continuelle de sa volonté propre au profit de la divine volonté. Elle a chanté les louanges de Louisa. Voilà. Ma mère t'a toi aussi trouvée présente dans le divin fiat et a entendu ton chant. La maman ne veut pas être surpassée par la fille. Elle a depuis ce moment chanté tes louanges pour honorer cette divine volonté qui devait te posséder. Et pour te rendre ton chant, combien de fois elle demande aux cieux, au soleil, aux anges et à toute chose de chanter les louanges de sa petite fille qui veut vivre dans ce fiat, qui forma sa gloire, sa grandeur, sa beauté et son bonheur. Donc voilà, Maman Marie, même au moment où elle a été créée, elle a entendu les chants de louanges de Louisa. Parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est l'éternel présent dans la divine volonté. Donc elle a entendu, mais elle ne peut pas se laisser surpasser en amour. Donc elle a aussi, eh bien, chanté des louanges pour Louisa. Donc nous, dans la divine volonté, quand on vient louer, bénir, quand on vient glorifier la Vierge Marie, eh bien en fait, comme elle ne peut pas se laisser surpasser en amour, comme je le disais précédemment, eh bien elle appelle aussi les saints, les bienheureux, eh bien à chanter des louanges pour nous. Voilà, à vraiment nous disposer à laisser de plus en plus de place à la divine volonté. Voilà. Je continuai ensuite mon abandon dans le divin fiat et mon doux Jésus ajouta. Ma fille, lorsque ma divine volonté règne dans l'âme, elle assume en elle le rôle d'opération et de direction. Voilà, Jésus nous l'avait dit hier. Dans l'œuvre de la création, eh bien, le divin fiat, la divine volonté, a vraiment ce rôle actif, ce rôle de direction, d'opération. La divine volonté se trouve partout et agit partout. Et la Trinité, eh bien, participe, mais c'est vraiment la divine volonté qui est à l'œuvre. Eh bien, dans l'âme, c'est pareil, c'est la divine volonté qui est à l'œuvre. Il n'est pas une chose que l'âme fasse sans que ma divine volonté ne place son premier acte pour appeler son acte divin sur l'acte de la créature. Voilà, Jésus, je vais faire ma vaisselle dans ta divine volonté. Eh bien, directement, c'est la divine volonté qui opère en moi. C'est Jésus qui va opérer en moi. Cet acte va devenir éternel, magnifique. Ainsi, lorsque la créature pense, elle forme sa première pensée et appelle toute la sainteté, toute la beauté, tout l'ordre de la divine intelligence. Voilà, je pense, Seigneur, dans ta divine volonté. Eh bien, directement, en fait, ce n'est plus moi qui pense, mais c'est Jésus qui vient penser en moi. Donc ça va être vraiment son intelligence divine, ça va être toute la beauté, toute la sainteté, tout l'ordre de cette intelligence magnifique. Et comme la créature est incapable de recevoir notre intelligence, voilà, on est limité, on n'est pas capable de recevoir tellement de lumière, tellement de splendeur, et n'a pas non plus pour cela l'espace suffisant, chaque fois que mon fiat accomplit son premier acte dans l'intelligence de la créature, par exemple, avec sa puissance, il va étendre sa capacité afin de pouvoir enclore une nouvelle intelligence divine dans l'esprit de la créature. Voilà, comme l'homme n'a pas la capacité eh bien, d'accueillir du divin, de l'infini, de merveilles, autant de lumière, eh bien, à chaque fois que l'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus va
dilater notre cœur pour que l'on puisse accueillir plus d'amour. Il va vraiment élargir notre intelligence pour qu'on puisse vraiment laisser place à cette intelligence divine, etc. Voilà. Par exemple, il va étendre la capacité intellectuelle afin de pouvoir englore une nouvelle intelligence divine dans l'esprit de la créature. Donc à chaque acte, il y a quelque chose qui se passe en fait. On accueille plus de divin et le Seigneur s'arrange pour que l'on puisse accueillir cela. Donc à chaque fois, il agrandit un petit peu notre cœur. Il agrandit, eh bien voilà, il dilate notre amour, enfin il dilate notre cœur pour que l'on puisse accueillir plus de son amour. On peut dire par conséquent que là où elle règne, ma divine volonté est la première à respirer, la première à palpiter, le premier acte de la circulation du sang afin de former dans la créature sa respiration divine, sa palpitation de lumière et dans la circulation du sang, la transformation totale de la divine volonté dans l'âme et le corps de la créature. Voilà, donc elle a vraiment, la divine volonté, ce rôle actif, ce rôle d'opération, ce rôle de direction. C'est elle qui fait tout. Jésus, je respire dans ta divine volonté, ma respiration devient divine. C'est Jésus qui respire en moi, c'est la divine volonté qui respire en moi, qui opère en moi, qui agit en moi. Jésus, eh bien, voilà, je veux vraiment que tous mes battements de cœur te glorifient et je veux vraiment que mon cœur batte dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, faire battre mon cœur. Directement, chaque battement de cœur va être un battement divin qui va, voilà, qui va apporter de l'amour continuel à la Trinité. Et cela va avoir vraiment des répercussions dans tous les cœurs. Viens, divine volonté, faire circuler mon sang. Viens, divine volonté, dans tous mes mouvements voilà, de externes, voilà, les mouvements, les pas, les actions, etc. Mais aussi internes, de mes organes. Voilà. Et bien, directement, tout cela devient lumière, en fait. Donc c'est vraiment assez facile pour nous. On doit juste dire, viens, divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Et en faisant cela, elle lui donne la vertu de la rendre capable de respirer avec le souffle divin, de battre. Donc la divine volonté, eh bien, nous fait... voilà, tout ce que l'on va faire dans la divine volonté va devenir divin. On va être capable de respirer avec le souffle divin, de battre avec sa palpitation de lumière, de sentir le tout de sa vie divine mieux que le sang qui circule dans tout son être, dans tout notre être. Par conséquent, partout où règne ma volonté, c'est la condition d'acteur qui ne cesse d'être en opération. Voilà, donc cela rejoint vraiment ce que l'on a vu hier, que ce soit dans l'œuvre de la création. Partout où agit la divine volonté, eh bien, elle agit vraiment en actrice. C'est elle qui opère. Elle agit partout. Partout. Et en l'homme, eh bien, c'était le seul qui étouffait la divine volonté en agissant dans sa volonté propre, eh bien, quand l'homme laisse à nouveau de la place à la divine volonté, eh bien, tout va être divin. Voilà, tout va être divin de manière telle que l'humanité de l'homme, son corps, ne sera qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Tout comme les éléments créés que nous voyons extérieurement, eh bien, ne sont que des petits voiles cachant la divine volonté à l'œuvre. Voilà, donc elle occupe vraiment ce rôle d'acteur qui ne cesse d'être en opération. Et en se faisant spectatrice, elle fait ses délices de ces scènes divines qu'elle-même déploie dans la créature, qui prête son être comme une matière entre ses mains pour la laisser déployer les scènes les plus merveilleuses et les plus belles que mon fiat veut réaliser dans l'âme où règne et domine mon divin vouloir. Tellement beau. Donc Jésus dit, eh bien la divine volonté est actrice. À l'œuvre, à l'action, comme on l'a vu longuement, tout devient divin, tout est magnifique, porteur de lumière, etc. Mais la divine volonté est aussi spectatrice. Ça veut dire que à chaque fois, il y a quelque chose de sublime qui se crée dans l'âme, comme je le disais précédemment. Voilà, Jésus prononce son fiat créateur, donc voilà, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, etc. dans l'âme. Et donc, la divine volonté se fait aussi spectatrice. Elle vient regarder ces scènes sublimes qui sont créées dans l'âme. L'âme qui s'est offerte, qui s'est abandonnée. Qui vraiment, comme Jésus le dit ici, qui a prêté son être comme une matière entre les mains de la divine volonté pour la laisser déployer ses scènes les plus merveilleuses, les plus ravissantes, les plus belles. Voilà. Voilà, le divin fiat veut réaliser ses scènes dans l'âme où règne et domine mon divin vouloir. Eh bien voilà. C'était magnifique, Seigneur. Merci.
Utilise-nous comme des instruments entre tes mains. Nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons au nom de tous. Et vraiment, sers-toi de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.